Histoire courte. Court-métrage. Madame est servie, c'est Histoire courte. Ah, les cures thermales, il n'y a que ça de vrai pour se détendre. Surtout pour attaquer la rentrée des classes et des festivals en pleine forme. Nous voici donc cette semaine encore à Trouville pour le festival Off-Court, le festival qui a le bon goût d'allier cinéma et cure thermale. Alors entre massage au jet et projection, sauna, kino, hammam et compétition internationale, je vous propose ce soir deux films un peu particuliers puisqu'ils sont issus de l'échange franco-québécois import-export organisé par Off-Court. Et quid du prix France Télévisions Jeune Producteur décerné cette année par Julie Gaillet. France Télévisions et la direction des acquisitions et le pôle court-métrage sont heureux d'être à Trouville pour remettre le prix France Télévisions Jeune Producteur pour la deuxième année consécutive. Par des raccourcis malheureux, on a souvent tendance à penser qu'un producteur se résume à un montage financier d'une œuvre. Mais le rôle d'un producteur va bien au-delà. Il s'agit d'accompagner des auteurs en fonction de choix artistiques communs. Et ces choix relèvent d'un engagement. Je vais maintenant passer la parole à Julie Gaillet, notre présidente et marraine, pour la remise de ce prix. Merci, c'est vrai que c'est tellement important de soutenir la jeune création ici à Trouville et grâce à ce prix des jeunes producteurs qui accompagnent pour la singularité de leur ligne éditoriale, pour la maturité et leur vision sur l'international. Enfin, on a été très impressionnés. Donc, on est heureux de donner le prix au film de force majeure. Voilà, bravo. On aura 5 ans fin octobre. Et du coup, c'est un peu une charnière, un vrai cap à passer. Et voilà, là, ça me donne un peu du baume au cœur pour les projets à venir. On voulait juste dire que voilà, ce prix, on le prend aussi comme un encouragement à continuer de défendre un certain cinéma singulier, audacieux, quelle que soit la forme qu'il prenne, que ce soit de la fiction, de l'animation ou du documentaire auquel on est très attaché. Voilà, alors merci encore. C'était même incroyablement important de les rencontrer, je ne m'attendais pas à ça. C'était passionnant par leur maturité, par leur choix, leur vision de stratégie dans le futur, avec vraiment comme un business plan, on va faire ça et comment et pourquoi. Et je dois avouer que film de force majeure, le fait d'avoir choisi de rester à Marseille, en province, qui est quand même un choix pas forcément évident, et en même temps de parler du monde. Une image, une cohérence dans la façon dont on va le promouvoir, le sortir, quel festival, et à l'international. C'est vraiment pas du tout quelque chose de franco-français, mais avec des films de documentaires, de la fiction et de l'animation. Très riche, très, très fort. Ils font des choix de films qui en général sont plutôt dans l'ombre, et là c'était une bonne idée de les mettre en lumière parce qu'il y a une certaine radicalité. Tout en étant des vrais hommes d'affaires, avec une cohérence, une ligne éditoriale. Et je suis très très fière que vous fassiez ça. Vraiment bravo. Fière de faire partie de ce jury créé par France Télévisions, que France Télévisions ait créé ce prix des jeunes producteurs, parce que moi je suis productrice, je sais à quel point producteur, c'est pas juste chercher de l'argent, c'est accompagner, réfléchir. Moi j'ai été charmée par cette petite boîte marseillaise qui en fait rayonne et va aller à l'international.